Salut à tous, c'est Alex le serveur, on se retrouve pour un nouvel épisode de Banjo Kazooie. Bon, on est sur le point de se débarrasser de cette folle de Grunt-Titi, mais il nous manque un peu de vie. Pour ça, c'est pas ça que je veux faire, c'est les statistiques, mission. On va voir où récupérer... Ah, je me trompe entre le A et le B. Mip mip. Alors, il nous manque une pièce, tiens, dans le repère de Gruntilda. Repère, toujours avec la mauvaise orthographe, hein. Le E à la place du AI, c'est triste. Alvéole, la montagne de Mumbo. Bon, je vais faire la facilité. Pour l'instant, je vais pas m'occuper des alvéoles. Tant pis, je m'étrangle. J'avais une pièce manquante dans la baie du Rusty Bucket. Tout à fait. Je pense, de mémoire, qu'il s'agit de la pièce qu'il y avait au niveau des moteurs. Je déteste cette pièce, donc il est possible que je l'ai esquivée. Alors je ne sais plus où ça mène ça, mais je vais prendre ce raccourci-là. Je me perds toujours dans le château, c'est terrible. Et comme ça, on pourra affronter Gruntilda dans de meilleures conditions. Si j'arrive à sauter dedans, dis donc. Pip, pip, pip. Oh, bah, de toute façon, j'ai toute ma vie. Dis donc, hey, il est maniable comme un char. Poum, 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 poum. Voilà. Alors, attends, non, le monde Rusty Bucket, c'est par là. Chut, faut passer par là. Ce visage inquiétant qui indique qu'il y a un monde derrière. Hop. Voilà. La baie du Rusty Bucket. Qui est sous l'eau actuellement. Chut. Hop, descend, Michel. Voilà. Alors. Je déteste cette pièce. C'est pour ça qu'il est fort probable que je ne l'ai pas prise. J'ai quand même pas envie de perdre du temps. Donc je vais quand même vérifier si c'est celle-là d'abord. Alors, est-ce qu'il y a une sortie ? Pas d'échelle tout près, mais là il y a une boîte. Ok. On va juste vérifier. Ah bah attends. Parce que vous savez que l'eau est empoisonnée ici. Mince. Du coup, elle nous consomme très vite l'oxygène. Pollution. Ah voilà. Effectivement, on la voit. Bon. Alors. Bon, vous le savez, il faut d'abord qu'on retourne à la salle des machines, là où j'étais mort connement plusieurs fois. Hop là. Ah. Donc, direction la salle des machines. On va désactiver les moteurs. Le problème, c'est que les moteurs ne sont désactivés que pour un temps limité. Donc il faut vite sortir. Vite sortir de la salle des machines, ce qui veut dire prendre des risques. Alors, faut que je me souvienne de où est l'entrée d'ailleurs de la salle des machines. Attends, de mémoire, je me refais le chemin en tête. J'ai l'impression que c'est... Ma tête me dit que c'est par là, ça me paraît bizarre parce que c'est super éloigné. Ça me fait un peu peur du coup. Mais pour moi, ouais, c'est tout en bas là en fait. Ouais, on entend les bruits. Parce que là, pour ressortir, il faut foncer, quoi. Oh, je déteste cette pièce. Je déteste cette pièce. Me faire revenir ici avec la caméra, avec les contrôles. En plus, pas avec la bonne manette et tout. Oh, sérieusement, c'est une plaie. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur. Ahoy!
Alors attends. Ok, on a un bouton là-bas et l'autre il est de l'autre côté. Alors quel est le... Est-ce qu'il y a un endroit plus facile que l'autre? Je ne crois pas. Et puis il n'y a pas moyen de mettre une caméra. Voilà, il n'y a pas moyen d'aligner la caméra dans l'axe qu'on est vraiment dans le dos. Donc ça c'est quand même ultra pénalisant. Mais bon, je serai fier de moi quand j'aurai cette pièce de puzzle. Si je l'ai un jour. Faut que je regarde sinon la liste des pièces de puzzle de du repère de Quantita. Oh, j'ai peut-être appuyé un peu tôt. Non, c'est bon. Non mais je me fais peur à moi tout seul en plus. C'est hyper dangereux. Ah là on est bien aligné. Là c'est pas mal la caméra. Voilà. Oh purée. Faut pas se mettre dans le bon sens ce truc là. Dans le sens un peu plus large. Ah. Ça va être compliqué. Et ça c'est que l'aller, c'est-à-dire que c'est le moment où je peux prendre le temps là. Donc je vais prendre le temps. Mais au retour, je dois speeder comme un zinzin. Pour pouvoir aller chercher, choper la pièce avant que les hélices ne se remettent à tourner. Non mais c'est ridicule. On est d'accord. C'est la pire. C'est la pire pièce de puzzle de tout le jeu. Mais j'en ai absolument besoin pour pouvoir doubler ma vie. Hein. Ce qui permettra d'être plus tranquille face à Grand Tilda. J'aurai les alvéoles rouges après plutôt que les jaunes. Et ça, ce sera très bien. Attends, comment se place le truc là? Ah, bah là, c'est pire. Il se met en haut. Il se met en hauteur. Du coup, alors attends. Parce que l'astuce. Purée! Escalade, remonte, tu t'en fous. Ben, je veux pas. Je n'arrive même plus au bouton, vous imaginez la galère quoi. Honnêtement, je sais même pas si j'ai envie de faire cette pièce. Ou alors, peut-être en trichant. Il y a des save state après tout. Parce que franchement, j'ai pas passé une heure dessus non plus, hein. Histoire de pas se reprendre tout le début à chaque fois. Disons que c'est du confort plutôt que de recommencer à chaque fois du début, hein. C'est pas de la triche, on peut le voir comme ça. Dire qu'à l'époque, je l'ai fait, j'avais tout à 100% ce jeu. Hop, système, option. Alors attends, sauvegarder l'état. Voilà. Hop. C'est F5, tout simplement. Mais sérieusement? Voilà, pour la peine. Non mais vous voyez bien, je glisse alors que je suis... Je comprends pas. Je triche, je triche. Ah bah je triche si le jeu s'arrête. Si le jeu arrête de tricher, je ne tricherai plus. Mais... On va gagner du temps. Allez, courage. Voilà. Hop. Donc, là, elles ralentissent. Mais il faut les arrêter complètement. Ça, c'est une autre paire de manches. Bah t'es censé ralentir là, non? Ah non, c'est quand les deux ont ralenti, c'est ça? Ok, tu ralentis pas.
Oula, c'est n'importe quoi. Oula, je sentais, c'était n'importe quoi. Ok. Là, après, je repars pas du meilleur endroit parce que... En fait, il y a un problème majeur, c'est que... Non, je peux repasser par le centre. C'est que là, pour rentrer, c'est relativement facile vu qu'il y a juste un petit saut à faire. Juste. Hein. Mais je sauvegarde assez régulièrement quand même avec la safe state pour être tranquille. Parce que là, tu vois... Oh, j'ai cru que j'allais glisser. C'est con, j'ai pas glissé. Hein. Bah voilà. Hé, hey, dès que je sauvegarde... On a un petit peu mieux là déjà. Voilà, là c'est chiant. Parce qu'il faut faire le saut. Déjà, ouais, si tu pouvais faire un bon saut, ce serait bien. Voilà, la caméra là, typiquement, elle est très mal placée, je trouve. Cet angle là, il est pas très cool. Je glisse un tout petit peu. Ah! Ah! Bon, ok. On va attendre. Dépêche-toi. Voilà. Ok. Je te vois, t'essaies de sauter dans le vide pendant que j'enregistre là. Là. Voilà, là ça va être complètement figé pour une durée limitée. Donc je peux passer par les hélices qui vont ralentir pour repasser par le centre. Histoire de pas perdre trop de temps. Mais l'idéal aurait été de... Putain non, mais non. Rien à voir. Je raconte des conneries. Les hélices c'est là. Fallait couper les hélices avant. Faut que je repasse par là. Bon. C'est pas impossible pour autant. Hein. Mais c'est plus relou. Ok. C'était les hélices internes, les hélices externes, donc là, voilà. Oh purée, c'est merveilleux. Je sauvegarde là vite fait. Ah mais je suis con, ça tourne plus. Oh purée, c'était un petit miracle, dommage. Petit temps d'hésitation quand même à la reprise là, ça va pas trop. Ah c'est con. C'est con parce que c'est beau. Oh purée. Honnêtement, je pense pas faire beaucoup mieux par la suite. Ok. Fuse. 30 secondes. Ça me paraît jouable. 25 secondes. Ah oui, c'est jouable. 20 secondes. Oh purée, j'ai jamais été aussi confort. Putain, je vais la voir cette pièce. Allez, prends ton temps, prends ton temps. Aligne-toi bien. Oh purée. Qu'est-ce que tu fais? Non mais... Arrête de te tromper de bouton en fait, c'est le bouton A pour sauter. Voilà. Et bah c'est un sans faute. Enfin c'est un sans faute. Le monde est un sans faute parce que sinon le... Là les essais furent plutôt fautifs. Mais bon. On a réussi, c'est le principal. Ah non mais celui-ci... Je pouvais pas faire autrement.
Allez, zou. Alors, ça m'étonne quand même qu'il me manque une pièce. Alors, oh oui, bah, passe-toi encore. On me demande où je l'aurai. Est-ce que je l'ai foutu dans le repère? Faut faire tout le tour. Marais, c'est bon. Vallée, c'est bon. Manoir du Mont, c'est bon. B, c'est bon, du coup. Et il nous reste le bois clic-clac. Il en manque une aussi dans le bois clic-clac. Ça, c'est quand même zinzin. Alors, attends, l'entrée des bois, elle est là, je crois. Ah non, attends, c'est pas ça. C'est autre chose. Ce jeu est complètement idiot. Le héros est beaucoup trop gros. Eh, dis donc, grossophobie, là. Puis bon, c'est la poutre qui se moque de la charité. Je suis sûr que quand je vais regarder la liste des pièces du bois clic-clac, je vais me dire, celle-là je l'ai, celle-là je l'ai, celle-là je l'ai, celle-là je l'ai. Il me semble que c'est là. Oui, tout à fait. Non. 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 Si je vais y arriver. Voilà, c'était la dernière. Allez, retiens bien quand même les manips parce que ça va t'aider sur le boss. Alors les Jinjo, je pense que j'ai fait les Jinjo. Poupoum. Poupoum. Oh bah c'est peut-être le Jinjo qui me manque. Parce que là il tire la tronche. Ouais. Alors attends. Alors, je vais tenter les Jinjo puis on verra. Je vais les refaire au pire. Non mais à mon avis, il serait indiqué si je les avais finis. Alors, il y en avait un dans la ruche du coup au printemps. C'est-à-dire maintenant. Donc on va les se transformer. C'est peut-être celui-ci que j'avais loupé d'ailleurs, si j'ai loupé les Jinjo. Tiens, vilain Zozio. Pouet 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 et pouetta. Pouetti 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 pouetta. Pouet pouet pouetti pouetta. Titi-ti-di-di-dou. Eh bah super. Je voulais faire le tour pour aller plus vite et puis je tombe quand même. C'est pas grave. Alors attention parce qu'ici il y a les marécages. Pouit pouit pouit. Ok. Bonjour. Alors. La ruche est là.
Atterrissage. Pouf. Hop là. Allez, ma petite crotte. Ouais, c'est peut-être toi que j'ai oublié, honnêtement. Parce que si j'ai pas entendu tes petits cris... Après, j'espère que c'est les Jinjo qui me manquent, hein. Alors, ensuite, il devrait y en avoir un tout en haut. Ah oui, non, mais il faut péter la porte, donc... Ah non, non, mais c'est bon, il est là. Ok. Hop, la sortie est là. Alors, il y avait un oiseau très facile à avoir. Du coup, celui-là, on le loupe pas trop, même si sa couleur se confond en été. Il est dans les champs de blé. Oui, je sais. Magie même beau trop faible. Magie partir. Magie partie. Est-ce que ce serait pas finalement la pièce de... cette dernière pièce que j'ai loupée. La pièce liée au bois qui claque dans le repère de Gruntilda. Et je pense qu'il est accessible via la transformation justement qui va être en haut de l'arbre en sortant. Je testerai ça. C'est possible. Et comme ça, j'aurai toutes les pièces du jeu. On pourra finir le jeu et s'amuser au bonus dans le dernier épisode prochain si j'arrive à battre Gruntilda dans celui-ci. C'est tout ce que je me souhaite. Donc on a déjà 3. Donc automne, tu n'auras un dernier en hiver. Ils sont rangés en fait par saison. Couleur de saison. Là, on va avoir l'orange. Vous avez vu, on a repéré le jaune en été, vert et rose au printemps, et le bleu en hiver, bien sûr. Alors oui, l'épisode précédent était sur Twitch. Celui-ci n'est pas sur Twitch, comme vous pouvez le voir, je suis pas en direct. Tout simplement parce que j'ai constaté des légers problèmes techniques, je trouve, à l'enregistrement de la vidéo. Je sais pas si c'est à cause de Twitch, mais c'est possible. Des problèmes que j'avais pas constatés. Alors soit j'avais pas conscience de ces soucis vidéo sur les précédents enregistrements. Je sais plus ce que c'était exactement comme souci. Je sais pas s'il y avait pas un décalage avec le son un petit peu. Je passe par là pour la peine. Un peu de natation, ça fait de mal à personne. Et on aura fini Banjo-Kazooie, vous vous rendez compte? Un de mes jeux préférés. De toute la vie. Viens ici, hop. Ah, bon là les crânes de Mumbo en plus je m'en fous, hein. Ça sert plus à rien. Hiver. Et donc là il est au-dessus de la hutte de Mumbo. Il faut passer par là. Ah oui, il faut que je m'envole. Bah oui, bah parfait. Bon, j'espère que j'ai pas fait tout ça pour rien quand même.
Ah là, là t'es heureux. Là t'es très heureux. Bon. J'ai re-sauvé les Jinjo. C'est le principal, écoutez, ils seront heureux. Super. Ok, bon. On sait que c'est pas ça. Très bien. Il me semblait bien les avoir fait en plus, hein. Au printemps, en haut de l'arbre est cassé la porte. Ça c'est fait. Dans une plante carnivore en volant près du tronc. J'ai l'impression de toutes les avoir. La maison en construction, ça c'est fait. Oh, putain. Ah ! Ah là là, idiot. Tu me laisses pas réfléchir. Maison en construction, ça s'est fait en été. Dans le gros truc jaune en été, c'est quoi? Mais putain, il me fisse. Casser l'ouverture sur le dessus, puis battez les abeilles. Dans le gros truc jaune, c'est la ruche. C'est la ruche, le gros truc jaune. Je suis tombé sur une soluce en plus, bonjour quoi. L'entrée, la maison du castor, ça c'est fait. Il fallait retourner en automne. Les glands. Est-ce qu'on avait fait tous les glands? J'ai un doute. Alors attends, en hiver. Non, y'a rien en hiver. Bon, on a eu la fleur aussi. L'œuf, on l'a fait. Putain, j'ai un doute sur les glands. Est-ce que j'avais fini par réussir à le faire ou est-ce que j'étais tombé et mort connement? Parce que j'ai des souvenirs de chute débile et mortelle. Mais en hiver, on est bon. Bon, c'est pas les Jinjo. Ah, je suis dégoûté. La ruche, c'est sûr que c'est fait. La ruche, la fleur, tout ça, c'est fait. Le castor, c'est sûr aussi. Alors, les glands, c'est en automne, même si ça peut être aussi toute l'année, si on veut. En même temps, je vois pas grand-chose d'autre. Donc, on va le faire, on va tester. On va aller jusque chez notre ami Nabnot, du coup. Hop. Je vais faire une safe state, hein. Parce que si je tombe en chopant des glands, ça va pas aller. Purée! Ils font mal en plus, ces sales zozio de malheur. Putain, j'ai pas le mojo aujourd'hui, hein. Voilà. La paix. Là, c'est la ruche, ok. Alors, Michel. Bah. Hop, j'avais fait tout le jeu sans safe state, hein, jusque là quand même. Je sais pas, la pression, écoute. C'est-à-dire que c'est bientôt la fin. Ouh là là. Bonjour l'ami, j'ai besoin de 6 glands avant l'hiver. Peux-tu m'aider? Oui, bah je vais peut-être le refaire, ça se trouve que j'ai déjà fait, mais bon. Vous qui voyez ce let's play, peut-être que vous vous souvenez de moi le faire, mais bon. Alors, deux en haut, deux en bas. Alors, je sais qu'il y en a un là. Et c'est peut-être celui-là, sur lequel je suis mort, comme non. Alors, déjà, on va faire le tour. En même temps, je le revois obèse en hiver. Donc, je pense que je l'avais fait quand même. Mais c'est pas grave. Au moins, j'aurai l'assurance que. Voilà, là, par exemple. Oh, bah, écoute. L'un dans l'autre. Ha 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 ha
Ok. Non mais j'ai celui-là qui m'embête vraiment. J'ai pas envie de retour faire, donc tac, téléportation. Voilà. Viens ici, Robin des Bois. Ok. Je re-sauvegarde. Donc deux glands supplémentaires. En plus c'est bien, ça me refait travailler ma dextérité. Pas un chez lui de gland d'ailleurs. Si. Il y en avait un dans la réserve aussi. Non mais je suis sûr de les avoir fait. Mais c'est pas grave, je suis généreux. Dabneu, t'en veux encore? Ouais, ouais, tu m'étonnes. De mémoire, le dernier. Là-haut. Ouais, c'est celui-là. Bon, au moins, c'est rapide. Ça, ce sera fait. Allez, prends mon gland. Ouais, tu as trouvé tous les glands dont j'avais besoin. Eh ben non, c'était bien ça qui me manquait. C'est marrant, j'étais sûr de l'avoir fait. Bon, bah écoute. Et ben voilà, c'est le principal. Bon. Pas une sortie rapide. Oh bah si, ça c'en est une. Dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Parfait. Alors, j'aimerais tester mon hypothèse qui est, j'ai chopé le bouton, l'interrupteur qui permet d'afficher la pièce de puzzle dans le château de Gruntilda, mais je ne l'ai pas récupéré. Donc pour ça, je dois retourner au printemps sous forme de petite abeille et ressortir dans le château de Grunty. Ce qui est marrant parce que tu peux pas aller dans les autres saisons en abeille, parce que la magie de Mumbo va pas assez loin. En revanche, tu peux y aller tranquillou, sans souci, dans le château de Gruntilda. Poup, poup, poup. Ah non, mais non, je vais mettre si un alvéole, c'est que la bestiole est morte. Et par conséquent, elle n'est plus là. Voilà. On reprend les bonnes habitudes. Point, 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 point. Oubana. Là non, la sortie c'est plus simple par là. Bzz, bzz, bzz.
C'est bien de vérifier la Solus, mais regarde l'écran ce qui se passe quand même en même temps. Ok. Allez, petite abeille, on compte sur toi. J'espère que c'est toi. Ça voudrait dire que j'aurai toutes les pièces de puzzle. Ah merde, je l'ai eu. Quasi sûr qu'elle était là. Bon. Ça m'embête. Ça veut dire qu'il y a une pièce du repère qui est dans en vadrouille quelque part. Et je ne sais pas où. Bon, j'irai la chercher la fois prochaine. Si vous savez quelle pièce me manque, bah vous pouvez me le dire dans les commentaires. Oui, t'inquiète. Oui. Je sais. Mais là, normalement, j'ai suffisamment de pièces pour débloquer les alvéoles rouges. Qui est un petit peu mon problème principal là pour le moment. Et après, on se fera les dernières alvéoles, tout ça. Oui, alors d'ailleurs, je sais pas pourquoi je fais ça. Bon, c'est pas grave. Il y a un chaudron hein, pour éviter de repasser par ici, quand même. C'est quand même plus sûr. Ah, j'ai l'impression que je peux pas aller sur la lave, en fait. Ah, c'est bien. Moi, j'étais stressé comme tout. Bon, on peut se refaire les vies, c'est bien. Mais non, on peut pas foirer les sauts. Ça va, c'est sympa. Ok, on va y arriver. Tu vois, j'ai repris mes vies. Es-tu prête cette fois, petite Kai? Attends, ta petite Kai, elle est pas encore prête. Ouais, il m'en fallait plus qu'une en fait. Et ça change tout. Allez, on va éviter les save states sur Grunty quand même. Hein. Change de camp, mon petit poulet. Viens chez moi, te reposer. Bon, déjà avec deux fois plus de vie, forcément, ça devrait être deux fois plus facile. Ou deux fois moins dur. Qui va là? Encore l'oiseau et l'ours? Je vais vous flanquer une de ces frousses. Allez, fais tes petits coups de balai là. T'as loupé mon estomac. Voilà. Alors on va éviter le saut dans le vide débile aussi quand même. Comme la fois dernière. Ça c'était triste hein. Ok, première phase quasiment terminée. Voilà. Maintenant, on va s'amuser. Ce sort, tu ne pourras échapper. Hop, tu sais quoi? Safe state. Non, parce que je me connais.
au moins sur la phase de... là pour pas tomber dans le vide. C'est 3, non c'est 4. Ah, c'est malin. Tu vas dans quel sens? Tu vas dans celui-ci, ok. Le fait d'avoir plus de vie, ça rend casse-cou. Je reprends un petit peu, on reprend de la vie au passage. Ce que je peux faire, voilà, c'est lui foirer son dernier coup en la faisant tirer. Voilà, comme ça, là, je suis tranquille ici. Ah mince, à côté. Ah, ah. Non, c'est injuste. Le tir qui te fait reculer et qui te tue, non, désolé. Oh non. Il y a des choses pas légales là, je pense. Rien à faire, je n'ai pas mal, t'as bien mérité une mandale. Bon, arrête le casse-cou là, tout de suite. Parce que casse-cou, c'est aussi casse-couille. Mince, elle avait fini. Elle avait encore fini là. Voilà. Ok. Voilà, comme ça tu tires à l'ouest, c'est très bien. Non! Ouh! Je vais sauvegarder là. Ah, la petite glissade horrible sur la fin, c'est horrible. Ça porte bien son nom. La caméra, oh elle m'agace. Pas s'aligner non. Bon je sais qu'à vaincre sans gloire on triomphe sans péril, hein, évidemment. Mais tant pis pour le combat, je le fais avec safe state parce que. Vous avez quand même mérité de voir la fin. Purée. Ça c'est relou. Pff. 3, allez 4. Allez, aligne-toi bien. Tire. Tu me saoules, Micheline. Voilà. Allez, zou. Attends, c'est pas fini. Oh non, je croyais que c'était déjà le dernier. Bah, merde. 2, 3, 4, voilà. C'est bon, c'est le dernier. Très bien. Allez, petite sauve. Tu te débrouilles pas trop mal, Banjo. Utilise ce tremplin et dégomme la vieille chouette. Je me dis, ça rime pas, mais c'est normal, c'est pas elle qui parle. Allez.
Bon, c'est sûr que quand on a la save state, c'est moins stressant. Ça fait moins... on est moins dans... Comment dire? Moins dans l'exploit. Moins de tension. J'ai plus beaucoup de... plumes rouges. Hé, hey, ton bec m'a fait bobo, mange cet éclair, vilain crapaud. Ça va être relou si je manque de plumes rouges. Voilà. Ouais. Redresse. Alors attends. Ok. Ouais. Laisse-moi 5 minutes. Et on y retourne. C'est bien, elle est sympa, hein, elle nous met des... des plumes, des œufs, tout pour nous aider. Mange mes couilles, meurs, je te prie, mes fesses coulent comme du bris. C'est ce qui est écrit? Non. Ça rime, tu me diras. Allez, petite sauve. Comme toi. Voilà. Okay, on est bon. Alors là, il fait des toutes petites pauses, c'est relou. Mais voilà, si on la chope très vite, ça peut être très bien. Je crois que c'est bon, voilà. Mon dieu, je suis en lambeau, je dois me cacher. Rideau. Oh. Ah non, c'est pas encore fini. Ah oui, non, si, c'est fini pour cette phase-là. Les Jinjonator. Ok, mince, alors ça c'est con. Alors, ok. Allez. Ah là, j'avais un petit temps. Merde. Oh putain, elle vise bien. Vite. Tant qu'elle est prise dans le... Purée. Si je suis la même ligne, elle me touche assurément. Voilà. Ne crois pas m'avoir vaincu cette fois. Je te mangerai tout cru. Ok. Je suis le grand Jinjonator. Active-moi. Tu peux commencer à fuir, ton pote, je vais le frire. Alors là c'est... Purée, ça commence bien. Purée. La meuf est vénère. Il n'y a plus qu'un point de vie. Elle est déterre. Oh non, ça c'était évident. Non. Alors, le bon rythme, c'est voilà, c'est attendre son super coup. Voilà, on repose.
Ah. Je vais finir celui-là parce que il est devant. Super. T'es un peu con. Saute. Non. Putain. Non. Mais non, mais... Bruti. Ah. Bon, là, je me refais la phase en entier. Pas trop tricher non plus. Faut créer un peu de suspense, quand même. Putain. Ah. Fais suite devant déjà. On sera... Non ! Avec ce gameplay là. Trop lourd. La visée des œufs, ça aussi c'est un cauchemar. Enfin c'est juste que c'est plus... Tu fais plus ça qu'aujourd'hui en 2020, c'est pas possible. Tu couples ça à la caméra qui répond pas, c'est... Enfin, la caméra qui est... C'est pas qu'elle répond pas, c'est que du coup, c'est des... C'est des angles préétablis. Le fait que t'entendes que deux validations, le D3, sur les œufs aussi, dans le Jinjonator. Du coup, j'ai l'impression que... Merde. Putain, bouton de merde. Mais qu'est-ce que tu fais, idiot? Non! Oh, mais non! Putain. Eh, je suis une espèce protégée, hein. Voilà. Dégomme alors qu'elle a pas le droit. Voilà, on a fait les trois alors qu'on a entendu deux glings. Caméra dans le bon sens, s'il te plaît. Allez, aligne-toi. Enfin. J'adore cette scène. Quelle violence! Attention! Bim! Mon corps de rêve est engourdi, mais ce n'est pas encore fini!
Elle a loupé son dernier sort. Pompe. J'adore. Ici, je ne peux rester, Klungo, viens vite m'aider. Ah bah voilà. Là, on les a mérités nos vacances. Vous avez vu Mumbo en haut du cocotier. Wouhou! Ah la 64, quelle console étrange. C'est génial, c'est fini Tutti? On peut se reposer un peu? Bien sûr Banjo, vous deux êtes célèbres à présent. T'as entendu, gros nain? Je suis célèbre. Ouais, si on veut. Bien joué, Kazooie. Merci, Nabo. T'es assez cool, finalement. Ça suffit, Kazooie. Regardons le générique. Ah. On l'a bien mérité. Avec Ding Pot. Point, 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 point. Klungo! Topper, la carotte! Donc ils vont nous refaire tous les méchants, évidemment, qu'on a croisés. Bowl, l'oignon, il y a aussi un chou-fleur dans la montagne perchée. Voilà. Collywobble. Parce que pourquoi pas affronter des légumes? Quarry! Donc pas que les méchants. Gruntling. Différents Gruntling. Ticker. Big Butt. Gremlin. Licky, petite fuite. Lock up. Little lock up. Bon, vous savez lire en même temps, hein. Yum yum. Snippet. Shrapnel. Snacker. Gloop. Gloop. Grichompa. Muti-snippet, donc le snippet mutant. Whiplash. Croctus. C'est mignon ça, Croctus comme nom. Flibit. Flibit, flibit. Buzz Bomb.
Les tip-top, là, donc le cœur tip-top, hein. Choir. Choir, même, je crois. Groggy. Les enfants de Boggy. On a Groggy, on a Soggy. Et puis, Moggy, Toggy, Foggy. Moggy, tout bêtement. Les Twinklies! Nos petites loupiottes. Ah, Twinkly Muncher, donc le dévoreur de Twinkly. C'est horrible. Sir Slush. Chinker. Jinxie. Les anciens. Grabba. Donc to grab, attraper. Grabba, en gros l'attrapeur. Scabby. Slappa. Mum mum. Istep. Tumblr. Mais donc il y a du monde, hein. Le portrait de Chompa. Tihi. Parce qu'il se marre, hein. Tihi. Limbo. Les limbes. Reaper. Nibli. Boombox. Petit jeu de mots, hein. Là, c'est une boîte qui fait boom. Et le boss Boombox. Grimlet. Côté Gremlin, bien sûr. Flotsam. Flotsam et Jetsam, attends, c'était des personnages dans... C'était dans quoi? Seaman Grublin. Flotsam et Jetsam, c'est dans La Petite Sirène. Donc le Grublin marin. Chump. On va voir notre ami le dauphin aussi, sûrement. Même pas. Snerber. Big Clucker. Quack, quack, quack. Les Zabaz. Grublin Hood. Petit jeu de mots entre les Grublin et Robin Hood. Robin des Bois. Les Whip Crack. Variation colorée des tentacules, hein. Cheeto. Est-ce qu'on a découvert tous les Cheetos? Je suis pas sûr. Je suis même pas sûr qu'on les ait tous activés d'ailleurs. Mumbo, toujours dans son cocotier. Évidemment, la saveuse qui apporte deux grosses pastèques. C'est très fin. Hey, Mumbo a photo secrète. Cool. Qu'est-ce que c'est? C'est photo de truc oublié et secret prochain jeu. Et c'est vrai en plus, ils l'ont vraiment fait. Oh, t'as entendu ça, Kazooie? Nous serons dans un autre jeu. Youpi, gardons les photos plutôt. Vous trouvez 100 pièces puzzle? Sinon, il les montre pas, je crois. Je ne crois pas. On en a trouvé 99, quoi? Beaucoup désolé, mais seulement bon joueur voir photo trouver 100 pièces. Et moi montrer. C'est pas juste. Peut-on jeter un œil? Non. Même beau partir. Rendez-vous avec meuf.
pourquoi ne pas aller chercher les pièces de puzzle manquantes? La pièce de puzzle manquante, tu veux dire dans le repère? Et bah ouais, bah du coup les photos je peux même pas vous les montrer, donc faudra qu'on refasse la fin. Ouais, je veux voir ces photos. Donc on a même pas la vraie fin. Glunko pousse rocher, ma maîtresse, je vais sauver. De vous, j'en aurai vite fini. On se reverra dans Banjo-Tooie. Et oui, il y aura bien Banjo-Tooie. Et on se fera le let's play, promis. Mais on va essayer de finir d'abord à 100%. Donc il nous manque, du coup, ben, la fameuse 200e pièce. Et puis les alvéoles. Et ben voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. A bientôt pour suite et fin de Banjo-Kazooie avant d'attaquer Banjo-Tooie. Ciao. Oui.